c'est une révolution, d'abord, qui est effectivement très méconnue en France en particulier, et j'imagine en Europe, peut-être à l'exception, et encore de l'Espagne, pour toute une série de raisons. D'une part, parce que le phénomène révolutionnaire pour les Français est véritablement occupé par leur grande révolution, évidemment. Parce que le phénomène révolutionnaire au XXe siècle, il y a c'est la révolution russe qui effectivement fait écran sur toutes les autres révolutions, je suppose. Parce que, de toute façon, dès le début, les Français n'ont rien compris. Et quand j'ai travaillé sur la gauche française et la révolution, on voit qu'ils ne comprennent rien à la révolution mexicaine. Autant ils arrivent à caser dans des grilles de lecture les mouvements sociaux d'Argentine, d'Uruguay, à peu près à la même époque, autant la révolution mexicaine leur échappe parce que ce qui s'y dit et surtout ce qui s'y fait est tellement éloigné des cadres, des cadres européens et français en particulier, que ça soit effectivement dans une optique républicaine, radicale, bon, ou que ça soit dans une optique socialiste de l'époque. Donc il n'y a pas de parti, il y a bien un parti socialiste au Mexique, mais ce n'est pas lui qui... équivalent des partis socialistes de l'époque, mais c'est pas lui qui mène la révolution. Et c'est ces révolutions de personnages. Alors Madero, la figure de Madero peut encore effectivement être interprétée par un public français démocrate, mais un personnage comme Pancho Villa ou Emiliano Zapata, ils y comprennent rien, puisque ça ne correspond pas du tout à leur cadre de pensée. Et pourtant, c'est une révolution extrêmement importante, parce que justement, c'est une révolution qui, à l'inverse d'autres révolutions antérieures et surtout postérieures en Amérique latine, elle associe à la fois des révolutionnaires que l'on peut qualifier bourgeois, Francisco Madero, celui qui fait la révolution, ceux qui finissent par l'emporter, et puis des masses paysannes, qu'elles soient donc groupées de manière très cohérente autour de Emiliano Zapata, ou qu'elles soient attirées de manière beaucoup plus diffuse de manière effectivement beaucoup plus accidentelle, conjoncturelle par Pancho Villa, incontestablement, il y a des masses paysannes ou issues du monde rural, même si ce ne sont pas des paysans, c'est parfois des rancheros, enfin des sortes de cow-boys mexicains ou autres, enfin, qui participent de cette révolution. Pas tous, évidemment, une bonne partie des Mexicains, mais comme dans tout mouvement, on aura beau jeu de dire qu'une bonne partie de la population souffre en silence des ruptures et des violences de l'événement, mais significativement, quand même, une partie de la population participe de l'événement. Et c'est pour ça que dans le titre est associé, et c'était un choix de l'éditrice aussi, pas simplement les grandes figures, mais véritablement, et le choix de la photo évidemment, montre cette participation bien des gens de peu au processus révolutionnaire. Et avec des résultats qui sont... qui peuvent être contrastés, c'est-à-dire qu'on peut toujours considérer depuis une position effectivement très vue du peuple que la révolution a été plus ou moins confisquée par les révolutionnaires bourgeois, ça c'est une sûre, on peut effectivement le considérer de cette façon-là, qu'on le considère d'ailleurs de position très à gauche ou qu'on le considère de position plutôt conservatrice comme celle de Jean Meyer, mais on peut aussi considérer, et ça c'est quand même assez important, que la constitution de 1917 est une des constitutions les plus avancées, non seulement les plus avancées d'Amérique, mais une des plus avancées du monde à l'époque, en fait, avec des dispositions en matière politique et des dispositions en matière sociale qui sont loin d'être négligeables. Et ma foi, le Mexique, mais ça on en reparlera peut-être tout à l'heure, a été pendant des décennies
l'État d'Amérique latine, disons le plus progressiste, malgré tous ses défauts, malgré la confiscation du pouvoir par le parti institutionnel, malgré les collusions, les corruptions et autres, ce n'est pas par hasard que beaucoup de proscrits de tous les pays, d'abord d'Espagne, des républicains espagnols en 39, et beaucoup de proscrits de tous les pays d'Amérique latine ont trouvé un refuge au Mexique pendant longtemps. Cette révolution, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène en quelque sorte biologique et chronologique, c'est-à-dire que les dernières générations de ceux qui ont travaillé avec le président Cárdenas dans les années 30 ont disparu. Et la distance par rapport au phénomène révolutionnaire continue à croître, évidemment, et ça n'est plus que, ça pourrait être à ce compte-là, de l'histoire froide, c'est-à-dire un phénomène historique comme bien cerné, qui a contribué à qui contribue à l'histoire de l'État-nation mexicain, qui a contribué notamment à en faire en particulier un État-nation, même à le refondre d'une certaine façon après l'indépendance. Et cette clôture de la révolution, phénomène révolutionnaire, pouvait être marquée avec la victoire de Fox en 2000, c'est-à-dire la fin de l'hégémonie politique du Parti de la Révolution institutionnelle, qui marquait véritablement la fin de la révolution. Et même de son pouvoir, de son nombre porté, d'une certaine façon. Malgré tout, cette révolution et ce phénomène de la deuxième décennie du siècle demeure non seulement et pas tant parce que le Parti révolutionnaire institutionnalisé est revenu au pouvoir, mais demeure également dans beaucoup de ceux chez beaucoup de ceux qui contestent son pouvoir, qui le contestent au nom même de certains des idéaux qui ont porté cette révolution. L'exemple le plus connu, c'est évidemment celui de la révolte du Chiapas autour de Marcos, qui s'appelle Armée Zapatista, donc de libération, et donc qui reprend effectivement, qui se réclame de la figure de Zapata dans des conditions et un contexte évidemment très différent. Mais d'autres figures de la révolution sont de cette révolution des années 1910. Par des mouvements de contestation qui, justement, veulent revenir, non pas tant à l'épisode révolutionnaire dans ses manifestations, mais retrouver quelque chose du souffle de la révolution, évidemment dans des conditions et dans un contexte différent, tel qu'avait pu le faire Cárdenas dans les années 30. En même temps, c'est contré par le temps, si vous voulez, et puis par des pratiques politiques qui ne sont pas simplement celles des mauvaises pratiques. Je ne pense pas simplement à ce qui est un véritable problème au Mexique, qui est la corruption, enfin ce genre de choses, mais également par des choix politiques et de politique économique en particulier, qui sont ceux des gouvernements depuis en gros le milieu des années 90 et qui entrent en contradiction, c'est le moins qu'on puisse dire, au moins avec une interprétation de la révolution qui était celle de Cárdenas dans les années 30.